Eh bien salut tout le monde, c'est le Fugitif 91, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Masamune-kun, la saison 2, donc l'épisode 11, qui ma foi était vraiment sympathique. Par contre, il y a aussi un petit problème que je vais parler juste après, parce que je comprends pas, il y a quelque chose que... Bah il y a une petite erreur et honnêtement je sais pas trop ce qui se passe. Mais bon, en tout cas, pour parler déjà de l'épisode, bah l'épisode était très cool. On apprend du coup que Masamune a disparu depuis 4 jours, on ne sait pas, personne ne sait où il est. Où il s'est barré d'ailleurs, hein, parce que même sa famille, hein, toutes les personnes de l'école qui sont ses amis, sont partis voir sa mère tout simplement. Et en fait, ils apprennent qu'il est parti chez son grand-père, hein, tout simplement, parce que vu que lui... Bah il accepte pas vraiment que la relation avec Adagaki, qu'il est amoureux du coup d'elle, et ben se termine d'une façon aussi brutale, hein, parce que vraiment, tu regardes dans le dernier épisode, tu sais, elle lui dit un truc plutôt cool et tout ça, et qu'à la fin il fait ouais bon, allez adieu, hop là, elle se casse. Ouais, donc du coup ils ont rompu, donc c'est un peu vénère. T'as toutes les nanas qui se baillent un petit peu pour lui d'ailleurs. Neko qui est en pleurs parce que mine de rien elle a sa relation à elle-même qui est un peu spéciale avec lui, même si c'est vrai qu'elle est complètement amoureuse de lui. C'est un peu spécial. T'as aussi Yoshino qui se bagarre parce qu'elle apprend que... Elle vient de l'apprendre de la bouche de Adagaki 4 jours plus tard, qui sont séparés, donc bon, elle est complètement perdue elle aussi. Et du coup, t'as Adagaki qui lui dit... Alors tu sais que je le vois bien, en fait, je vois bien que t'es amoureuse de lui, donc tu devrais faire comme s'il n'était pas là et tu devrais lui dire en fait. Et honnêtement, c'est vrai que quand moi j'avais vu ça en scan, c'était vraiment très cool. Plutôt surprenant mine de rien, parce que c'est quand même la personne qui l'appelle tout le temps pour soleil et tout ça. Et donc elle va finir tout simplement par aller le retrouver. Et on termine l'épisode sur le bisou qu'elle lui fait, donc un peu, j'ai vu des personnes qui lui disent « Oh, c'est un peu du harcèlement sexuel, parce qu'elle l'embrasse sans que le mec soit au courant, enfin, il est là un peu perdu, tu vois. » Donc elle l'embrasse, et l'épisode se termine là-dessus. Et donc, du coup, nous avons la semaine prochaine le tout dernier épisode, mais c'est aussi ça le problème, je ne comprends pas ce qui se passe, parce que normalement, on a un épisode équivalent à peu près à 2 chapitres. Donc ça, c'est pas un problème en soi. Sauf que, du coup, bah, le prochain épisode sera l'équivalent du chapitre 50, je sais plus exactement. Mais c'est un chapitre qui est assez long, qui fait au moins 52 pages, je crois. Donc, il fera l'intégralité de l'épisode. Du coup, donc pour l'instant, c'est pas vraiment un problème, parce que c'est un chapitre qui en fait deux. Le problème qui se passe, c'est que le prochain épisode sera le dernier. Et je ne sais pas pourquoi ça se termine là-dessus, alors qu'on a encore 8, je crois 7 ou 8 chapitres qui ne vont pas être adaptés. Donc, je comprends pas vraiment le choix d'avoir fait ça, alors que normalement, il aurait fallu 3 épisodes de plus pour terminer la saison en beauté, parce que mine de rien, ça continue. Même si je crois qu'à l'époque, moi je les ai lus qu'après, on avait exactement la fin de l'animé qui se terminera sur ce chapitre. Et on les a eu un peu plus tard, sauf que bon, ils sont là, ils sont pas faits pour faire joli. Ils sont surtout très intéressants et très cool. Alors je sais pas s'ils vont nous faire ça dans un format film. Peut-être qu'ils vont nous sortir un film avec, genre je sais pas, un film d'une heure. Ou un peu comme ce qu'ils avaient fait sur Demon Slayer. Alors pas le train de l'infini, mais avec le dernier épisode. Ou le premier aussi, je crois, le dernier épisode de la dernière saison. Ils avaient fait un épisode d'une heure. Je sais pas s'ils feront la même chose. Mais s'ils attendent pour faire, on va dire, l'équivalent d'une saison 3, ce serait... n'importe quoi pour à peine 7 chapitres. Franchement, ce serait un peu débile. Surtout que, bon, là, s'ils nous font un OAV, pourquoi est-ce qu'ils nous ont sorti un OAV qui se passe après... Ça aussi, c'est pareil. Pourquoi ils nous ont sorti un OAV qui se passe chronologiquement après la fin de la saison 12? Pourquoi tu le sors avant? En plus, ça aussi, c'est n'importe quoi. Honnêtement, il y a des choix qu'ils font sur la série que je trouve un peu chelou. Surtout que, bah, honnêtement, c'est une série que moi... J'adore, honnêtement, je fais... je pense honnêtement qu'il fait partie de mon top 4, top 4, top 5 de mes animés romances préférés. Et bah, je comprends pas le choix qu'ils font, honnêtement, surtout que j'ai vu bah, des personnes qui se sont fait spoiler par rapport justement à l'OAV, qui se sont dit, bah merde, alors attends, là il y a le bisou, truc et tout, bon, je vais pas en expliquer pour pas spoiler, mais ouais, du coup, c'est un peu bizarre. Et s'ils nous font un film...
un peu comme l'animé avec les 5 Butogun, je sais plus comment ça s'appelle, avec les 5 les quintuplés qui ils nous ont fait un film final à la fin. Je sais pas, je suis un peu spécialement pas très fan de ce genre de format, parce que bah c'est juste des animés que tu devrais juste mettre normalement en épisode et non pas mettre, on va dire, limite plus de moyens, alors qu'en vrai, pas, ça n'est vraiment pas nécessaire pour ça, quoi. Surtout vu ce qui se passe à la fin, c'est très très cool, mais j'imagine pas que ce soit nécessaire en film, quoi. Mais sinon, honnêtement, c'est une saison que j'attendais depuis très longtemps. Même si c'est vrai que j'avais déjà tout regardé en scan, honnêtement, de voir ça en animé, c'est très cool. Surtout qu'ils ont rajouté des scènes supplémentaires, et ça, heureusement, j'ai envie de dire, des trucs qui ne sont pas dans les mangas, donc des scènes rallongées pour avoir un petit peu plus d'explications que l'on n'avait pas dans le manga, et donc ça c'est très intéressant. Bah honnêtement, ça, c'est toujours un plus de toute façon, hein, les musiques, tout ça. Franchement, c'est cool. Et en plus, le truc que je trouve très intéressant, c'est qu'en plus, sur Crunchyroll, ils nous sortent les épisodes en VF en même temps que la VOSTFR. Et bah, j'aime bien, en vrai, j'aime beaucoup la VF, moi je les regarde en français. J'aime bien la voix de... Bah, surtout la voix d'Adageki, bon, on sait tous que, voilà, Adeline Chetaï, forcément, très grande doubleuse, très grande comédienne de doublage, forcément, qui a fait vraiment des très très grands rôles, et qui prend du coup le rôle principal d'Adageki. Honnêtement, bah, c'est clairement pas déconnant. Le mec, j'avoue, j'ai pas reconnu qui c'était le doubleur, mais bon, il est très cool, il a une voix plutôt posée, et bah, honnêtement, c'est plutôt très cool. Donc, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire sur cet épisode. Prochain épisode, alors forcément, j'en parlerai parce que j'ai hâte de voir comment va se terminer le chapitre. Est-ce qu'ils vont nous annoncer une petite suite, un OAV, quelque chose comme ça? Parce que comme je disais, 7 chapitres, ça peut aller très très vite. Surtout qu'en plus, dans les 7 chapitres, il y a des chapitres qui font à peine 11 pages, hein. Ça va très très vite. Donc voilà, honnêtement, je suis très content de cette saison. Je suis très content que des gens ont fini par regarder et que j'ai vu qu'ils ont vraiment adoré. Ils, au départ, étaient très déçus. Et en fait, avec la saison 2, ils ont fait « Ah, en fait, c'est pas si mal que ça, en fait. » Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouvera donc pour une prochaine vidéo, forcément la semaine prochaine pour la suite. Donc d'ici là, je vous dis portez-vous bien et à plus au monde.